pas changer. C'est le thème de la grande campagne d'évangélisation organisée par la communauté missionnaire chrétienne internationale de Bengerville les samedis 12 et dimanche 13 juillet 2014. Campagne au cours de laquelle le Seigneur s'est puissamment manifesté pour sauver, guérir et délivrer. Selon les objectifs établis pour l'année 2014, le pasteur Meunier Boniface, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, devra sillonner toutes les communes d'Abidjan pour conquérir les âmes pour Jésus. Après donc Abobo, Pobwe et Yopougon, c'est au tour de Bengerville. Remarquable, c'était un week-end salutaire. Pendant 2 jours seulement, 118 personnes ont été introduites dans le royaume des cieux. Une grande première dans l'histoire de l'église de Bengerville. Mais ce après des sorties d'évangélisation massives soutenues par le jeûne et la prière. Ce fut un véritable succès. Tout a été fait pour le salut des âmes. Les semeurs ont chanté l'évangile avec puissance. La prédication de l'évangile était telle que personne ne pouvait résister. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les cœurs. Convaincus donc de péché, de jugement et de justice, les âmes ont répondu spontanément à l'appel. Elles ont volontairement pris l'engagement de donner leur vie à Jésus. Par la suite, elles ont reçu des paroles de bénédiction prophétique de la part de l'orateur. La moisson a été fructueuse et le pasteur Germain de Gonzague, premier responsable de l'œuvre à Bengerville, s'est dit satisfait de ce bilan. Le week-end a été un grand succès parce que le but de Dieu c'était que les âmes soient sauvées. Et Dieu nous a donné les âmes depuis samedi et dimanche. Notre impression c'est que Dieu aime les hommes et l'évangile qui a été proclamé les a tirés. Et aujourd'hui la plupart ont donné leur vie. Même les rétrogrades sont partis, sont revenus. Et vraiment pour nous c'est un succès. Des succès, Dieu a exaucé nos prières et nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que la gloire lui revienne. Célébrons donc la fête de l'évangile car il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.